Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui des retards sur les chantiers de construction de maisons, mais aussi les retards sur les chantiers de rénovation, puisque rares sont les chantiers sur lesquels il n'y a jamais de retard. Je pense que c'est plutôt la règle générale, c'est qu'il y a des retards sur les chantiers de construction, me semble-t-il. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans le fil de discussion sous la vidéo. Donc je vais vous parler du sujet des retards de construction. Je vous en parle un petit peu en connaissance de cause, puisque je construis moi-même une maison donc par moi-même en autoconstruction, et évidemment, mon chantier a pris pas mal de retard. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport au retard, il y a plusieurs catégories de retard différents, et il y a quelques moyens en fait de limiter, on va dire, les retards. Donc, je vais vous en parler dans la vidéo. Mais pour vous donner des exemples de retards qui ont eu lieu récemment sur mon chantier, pour ceux qui me suivent, ils le savent, j'ai pris du retard sur les joints des plaques de plâtre de la maison, puisqu'à la base j'avais prévu de faire ce travail en une semaine. C'était manifestement complètement irréaliste, puisque en réalité, pour faire ce travail, il va me falloir au moins 3 semaines, 3 semaines de travail, quoi. Là, il y a une erreur d'appréciation du temps de travail. Et je vais vous donner un deuxième exemple récent de retard qui a eu lieu sur mon chantier. Alors, je fais tout par moi-même autant que possible, mais dans certaines circonstances, je fais appel à des entreprises. Et là, j'ai fait appel à une entreprise pour faire les enduits des façades de la maison. J'estimais que c'était la meilleure solution, la plus économique et la plus raisonnable, on va dire. Et là encore, l'entreprise qui devait me faire le chantier devait intervenir il y a 15 jours. Mais l'entreprise n'a pas pu intervenir puisque en ce qui concerne les enduits de façade, on ne peut pas travailler n'importe quand. On ne peut pas faire ce travail n'importe quand parce que il faut avoir des conditions météo, on va dire, favorables. On ne peut pas travailler notamment quand il gèle, sinon pour l'enduit, ça ne va pas. Et on ne peut pas non plus travailler s'il fait trop chaud. Et on ne peut pas non plus travailler s'il pleut des cordes, en fait, puisque ça va poser un problème pour l'adhérence de l'enduit sur les murs de la maison. Et par conséquent, il y a 2 semaines, la météo ne se prêtait pas à faire l'enduit des façades, et par conséquent, l'entreprise n'est pas venue, et elle devait venir la semaine dernière, et elle n'est pas non plus venue pour une autre raison que j'ignore. Je pense que c'est lié au jour férié qu'il y a eu. Bon, voilà, bref, vous voyez, voilà 2 causes de retard qui sont liées. Le premier retard dont je vous ai parlé, ce sont des retards qui sont liés, on va dire, sont des causes intrinsèques, c'est-à-dire c'est ma responsabilité. Et pour les deuxièmes retards, c'est l'entreprise qui n'a pas pu venir pour des causes qui ne sont pas de mon fait, qui sont des causes externes, sur lesquels je n'ai pas de prise et qui sont liés à des événements aléatoires. Pour le coup, il s'agit de problèmes de météo. Donc, en réalité, en ce qui concerne les retards sur les chantiers, on peut dire on peut les classifier en 2 grandes catégories principales. Il y a les retards qui sont liés à votre propre erreur d'estimation du temps de travail. Donc, ce sont des causes internes, ce sont des causes sur lesquelles vous avez la possibilité d'agir, en fait. Vous avez, au moment d'établir le calendrier, le plan d'exécution du chantier, vous avez été peut-être trop optimiste, vous avez souffert d'un biais qui est très répandu, un biais d'optimisme, et vous êtes trompé dans le calcul du temps d'exécution de votre chantier, et c'est quelque chose que je pense qui est très répandu. Donc, ce sont des causes internes sur lesquelles vous avez un moyen d'action en amont, au moment de la préparation de votre plan de chantier. Alors, le problème qui va se poser, c'est que si vous êtes un débutant, comme c'est mon cas, vous aurez sûrement du mal à estimer de manière raisonnable le temps d'exécution de travail d'un chantier, puisque vous l'avez jamais fait. Donc vous pouvez vous fier un petit peu à ce qui existe déjà, ce qui se fait en général sur les chantiers par des professionnels. Vous pouvez toujours essayer de rajouter une marge d'erreur et d'apprentissage et de temps de travail avant de maîtriser certaines techniques. Donc vous pouvez dire, par exemple, bon, ben sachant qu'un professionnel, il va faire tant de mètres carrés de carrelage, mettons, hein,
en temps d'heures de travail, vous pouvez dire, bon, mais je vais doubler ce temps de travail pour avoir une estimation à peu près réaliste du temps de travail réel qui va être nécessaire pour exécuter le chantier. Donc il faut essayer en réalité, pour éviter les erreurs les retards de chantier, d'être le plus réaliste possible et de ne pas souffrir d'un biais cognitif qui est extrêmement répandu. Donc moi je suis victime entre guillemets quoi, parce que c'est un biais d'optimisme. Quand on a un projet, souvent on a envie qu'il avance vite et on confond son désir avec la réalité quoi. En gros c'est un peu ça quoi. C'est-à-dire que comme on a envie que son projet il aille vite, on va faire des estimations, des appréciations du temps de travail qui sont vraiment pas réelles, pas réalistes, pas trop optimistes quoi. Donc il faut se méfier de soi-même en réalité et de ce biais d'optimisme. Et au contraire, il faut essayer de rajouter une marge de sécurité supplémentaire au temps de travail pour avoir quelque chose qui soit plus proche de la réalité, quoi. Voilà. Donc ça, alors ça, ce sont les premières causes de retard, donc liées à trop de quand on est trop sûr de soi, quoi. Donc il faut essayer d'être un peu plus modeste dans nos propres capacités, pas trop optimiste, réaliste. Mais bon, à contrario, il ne faut pas non plus être trop pessimiste, quoi. Il faut essayer de trouver un juste milieu. C'est très difficile. Et c'est très difficile de manière générale, je pense, c'est très difficile aussi pour les professionnels. Alors donc, on a première cause de retard. Ce sont les retards sur lesquels, liés à notre propre estimation, une erreur d'estimation du temps de travail, faite par nous-mêmes, sur lesquels on a une prise, en fait. Mais les deuxièmes causes de retard, ce sont les retards, on va dire aléatoires, les retards liés au hasard. Alors j'ai cité tout à l'heure l'exemple de la météo qui peut retarder un chantier, mais il y a beaucoup d'autres causes de retard possibles qui échappent absolument à vos possibilités d'agir, quoi, sur lesquelles on n'a pas de possibilité d'anticiper, on va dire. Par exemple, alors vous êtes sur un chantier, vous faites des plaques de plâtre. Vous utilisez une visseuse et votre visseuse elle tombe en panne. Donc voilà, votre chantier va prendre du retard quoi. Mais ce retard lié à un défaut de matériel, vous ne pouviez pas l'anticiper, c'est pas possible, c'est le hasard quoi. Alors là, on va parler plutôt, c'est une question de chance ou de malchance en réalité. Si vous avez de la chance, ben vous aurez votre matériel, il va tenir le coup. Et pas de chance, il ne tient pas, vous prenez du retard. Donc ça, sur ça, on peut rien y faire quoi. On ne peut que subir en fait ce genre de retard. Et c'est une sorte de brouillard, en fait, on est un peu dans un brouillard à ce point de vue-là. Et des événements arrivent, on n'y peut rien, quoi. Alors, je vous ai cité donc cet exemple d'outillage qui casse, mais je peux vous citer plein d'autres exemples. D'autres exemples plus graves, ou moins graves. Moins graves, mais qui engendrent quand même des retards, quoi. Alors, plus grave, exemple de cause de retard, ben, un accident du travail, quoi, une blessure. Alors là, ça peut être grave. Ça peut être grave, et puis ça peut être une blessure qui va occasionner des retards qui peuvent être très longs sur votre chantier. Par exemple, je sais pas, vous descendez d'une échelle, vous foulez la cheville, vous êtes immobilisé pendant 3 semaines, votre chantier, il est à l'arrêt, quoi. Voilà, c'est quelque chose, vous ne pouviez pas le prévoir. On n'anticipe jamais ce genre de problème, on ne peut pas l'anticiper, quoi. C'est pas rationnellement possible de se dire je vais me blesser donc je vais intégrer ça dans le temps de mon chantier. Pourtant ce sont des événements malheureusement qui arrivent. Autre exemple de retard qui peut arriver, moins grave, mais qui peut quand même vous occasionner des retards importants sur votre exécution, dans l'exécution de votre chantier, c'est les ruptures de stock de matériel qui sont pas de votre fait, vous n'y pouvez rien. Par exemple, moi, au moment où j'ai voulu commander les tuiles pour faire le toit, il y avait des retards quoi à l'usine pour des raisons X ou Y. Je sais pas, ils avaient des problèmes de personnel à cause du Covid ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, j'ai pris du retard quoi. Donc, vous voyez que là encore, on n'y peut rien, on ne peut rien y faire quoi. Ce sont des retards aléatoires qui sont liés à la chance ou à la malchance. Il faut les accepter. Les accepter, on n'a pas d'autre choix que de les subir. On ne peut rien y faire. Et peut-être la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'ajouter au moment où on planifie, ou au moment où on essaie de calculer le temps qui va être nécessaire à l'exécution du chantier, on peut essayer de rajouter une marge de sécurité.
Sachant que, comme les causes de retard aléatoire sont par nature imprévisibles, on peut pas le prévoir à l'avance, mais on peut se rajouter une marge de sécurité, je sais pas moi, de 10 ou 20% par rapport au temps de travail qu'on avait initialement prévu. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire. Donc on peut toujours essayer d'ajouter des marges de sécurité. Il faut essayer des marges de sécurité par rapport aux choses imprévisibles. Mais il faut essayer aussi de faire preuve de réalisme, c'est-à-dire un peu de modestie, de ne pas faire preuve, de ne pas tomber dans un biais qui est très répandu, d'un biais d'optimisme par rapport à votre projet. C'est pas parce que vous êtes optimiste que vous réussirez à finir dans les temps que vous avez choisi pour votre chantier. Si vous êtes trop optimiste, vous n'y arriverez pas, quoi. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc dites-moi dans les commentaires si votre chantier, si vous avez pris du retard, ça m'étonnerait que. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Et quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour peut-être éviter les retards sur votre chantier. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse, donc vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de mon chantier, comment ça évolue. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.